Salut la team, c'est Daniel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour en fait un nouveau jeu One Piece qui va sortir là, qui a été présenté aujourd'hui là. Et franchement, j'ai trouvé vraiment pas mal, donc on va regarder ça. J'ai pas regardé toutes les images, mais on va essayer de regarder un petit peu le jeu, ce que ça a donné quoi. Et en fait, ça pourrait être un très bon complément, je pense, pour One Piece Fighting Path, parce que vous savez, des fois on est limité par l'énergie et tout, la viande et tout. Et on est obligé d'attendre 23 heures que ça recharge. Donc en attendant, je me dis, ouais, au lieu d'attendre, on peut jouer à ce jeu en attendant et tout. Donc ça peut être un bon complément de switcher entre les deux. À savoir qu'il y a aussi MHA les gars qui sort dans 2 jours là, le 18. On jouera tous ensemble et tout, ça va être sympa je pense. Donc on va regarder ça sans plus attendre et tout. Vous avez vu, c'est Tencent Game qui fait ça. Ils n'ont pas forcément une bonne réputation sur certains jeux et tout, mais bon. On va voir, j'espère qu'ils vont gérer en tout cas. On va baisser un petit peu le son, je pense que ça va être un peu plus fort. Bon, c'est stylé, ça doit être la cinématique j'imagine. Mais c'est stylé, c'est stylé. Ah, la petite musique et tout. La petite musique. Bon. Je crois que c'est avec l'Unreal Engine. Vous avez vu un peu le mode de jeu et tout? Alors c'est pas comme Fighting Pad, vous avez vu? Là ce serait plus en mode... ouais, Fighter. Rainbow Z Fighter. Fighter Z là. Mais c'est stylé. Oh, les cool teams, regardez avec Smoker et tout. Oh, c'est stylé. Je me demande s'il y a des interactions entre certains personnages et tout. Vous avez un petit coup ultime de Luffy là. Là c'est stylé. Ça serait peut-être les coups ultimes et tout. On voit du ABC. À mon avis on doit taper sur le bouton comme d'habitude là pour les coups normaux. Ça va être les skills et tout. Après pour l'instant on connaît pas les dates de sortie et tout. Ça, il a été présenté pour l'instant mais franchement je le trouve beau. Mihawk, Mihawk le sang les gars. Ah, il a utilisé un skill là pour, vous avez vu, pour passer à travers et tout. Bah c'est stylé. Et je me demande, vous voyez là? Ça je me demande, est-ce que ce serait pas genre une interaction parce que c'est eux deux qui se battent en... et c'est eux deux qui se battent et tout. Genre il y a peut-être des trucs genre activables genre comme dans Dragon Ball Z de Fighter Z, vous avez vu, il y a les dramatiques finish et tout. Ah parfois il est stylé. Ah genre ses épées ils se brisent et tout. Non. Comme dans... Bah c'est stylé. Projet Fighter, One Piece Projet Fighter les gars. On regarde un petit peu encore. Il y a des trucs intéressants en vrai. Ah c'est stylé. Oui c'est vraiment en mode... Là il y a un switch. Attends c'est un switch. Ouais c'est un switch. Alors vous avez sûrement plusieurs personnages et vous pouvez switcher à mon avis. Ou alors c'est juste la plantation et la transition. Ils ont fait une transition mais... Vous avez vu les coups ultimes et tout, Smoker là. Usopp. Là on voit qu'il a une boule, là c'est peut-être pour utiliser les skills et tout. Il y a sûrement un coup ultime. Ça va être sûrement le C. Mais c'est stylé. On va voir un petit peu, ce sera sûrement des boss ça. Les ennemis et tout. Franchement ça, il a l'air vraiment sympa. Hein. J'ai hâte, je vais y jouer, je vais tester et tout. Ouais, c'est stylé. Bon, en tout cas, les gars, j'ai hâte qu'il sorte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. Mais franchement, je suis hypé. Il est stylé. C'est vraiment beau. Il est beau à sa manière. Je vais pas le comparer à One Piece Fighting Pot parce que les gameplays sont vraiment différents. On est vraiment sur deux jeux différents en fait. Mais ça pourrait être un bon complément. En attendant que l'énergie se recharge sur Fighting Pot, on pourrait partir sur celui-là quoi. Et puis voilà, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Ok. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, les gars, et tout. Et merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Allez. À bientôt.